Alors, c'est celui qui est dangereux. Quand je dis qu'il est dangereux, il est dangereux à cause, justement, s'il a d'initiative. Maintenant, il sait possible qu'il est allé se battre bêtement dans un truc là-dedans et qu'il a attaqué quelque chose. Qu'il a attaqué quelque chose. On va aller voir un petit peu plus loin. Bon, dans le cas où ma tête, je préfère être à l'intérieur. Déjà, toi, tu viens. Toi, tu viens ici. Ouais, jusque-là. Parfait. Minute. Donc. Bon, une fois que celui-ci est éliminé, c'est fini. Hein. Il perd toutes ses babioles. Nous, avec Gonzès, je pars maintenant faire l'autre forteresse. Et puis directement, on va à gauche. On ne va pas faire durer la campagne plus longtemps que ça. Hein. Je me demandais si je ne donnais pas une unité comme ceci, d'ici. De lui, pardon. Allez, commande. Lui. Déjà, comme on disait, est-ce que j'avais quelque chose d'intéressant pour lui? Rien du tout. Hein. Par contre, l'autre va lui donner des trucs. Donc déjà, tu viens voir madame. Tu viens voir madame et tu vas te récupérer quelques petites choses. 8, 12 défense. Un chapeau. Non, tu pas de chapeau. Le chapeau, on va le garder pour elle. Donc, tu vas lui prendre ça. Tout simplement, elle lui mettra son chapeau au bon moment. Tu gardes ça parce que comme tu restes là, la petite fille Cécilia devra revenir prendre ça. Ah, on a quand même 25 de résistance là, au sort. Ça, 12 de défense, on va le prendre. Pistolet, on s'en fout. 6 d'attaque de main au choix, tu le prends. Et ça, c'est 4 d'attaque, donc tu prends soit ça, voilà, soit tu pourrais prendre le 12 de défense. Et je pense qu'on a fait tout le tour. Ah oui, des bottes, il te faut des meilleures bottes que ça. Un déplacement, deux, c'est les deux mêmes. Parfait. Voilà. Donc, ceux qui se posent la question, moi je me disais au début, merde, je suis coincé avec un certain nombre d'objets. Mais c'est pas tout à fait le cas, parce que si tu es rempli, tu vois, si tu vas au fond, pouf, t'as une glissière qui vient. Mais quand même, il y a des trucs, t'as envie de les jeter, quoi. Tant que tu peux pas les vendre. Si tu pouvais les vendre, ok, mais tu peux pas les vendre. Alors qu'est-ce que tu veux foutre avec des trucs qui traînent dans la main, hein, que t'as pas absolument pas besoin, que tu n'auras jamais besoin. 11 d'attaque, c'est pour toi aussi, ça. Et tu as déjà 11 d'attaque, donc ça... Non, tu vas le garder ici. C'est un de plus de ça, si jamais je prends commandement, mais je ne crois pas. Ça, par contre, tu vas l'emballer là-bas. J'ai pas besoin, j'ai deux d'ordre, j'ai deux de destruction. On est quand même bien foutu. Hein. Maintenant, j'irai bien regarder. Ce qu'on peut faire pour être certain de notre coup, lui, il peut se permettre de perdre des choses. Il peut se permettre de perdre des choses. Et il a une très grande attaque. Et il va, même s'il perd des points, il ne va pas en perdre autant que ma copine. Quoi. Par contre, je vais plutôt alors lui remettre ça comme ça. Qui en est plus, quoi, qui est 120 points. Et moi, je pars directement avec mon copain pour prendre d'autres trucs. Voilà, on va plutôt faire ça. Comme ça, lui ici, il a son 68 d'initiative. Je ne me fais pas bouffer mon équipe principale, ça sera lui qui va se la faire bouffer. Et même s'il meurt, on s'en fout, hein. Vous repayez et puis il réapparaît. Et donc on va changer de mode de siège. Et on va lui dire avec lui de convertir, confirmer.
Voilà, maintenant il est dedans. Et on voit que nous avons ici, on ne sait pas encore, il faut d'abord que ça transforme. Ok, donc lui il est dedans. Ou à la limite, lui, parce qu'en étant dedans, oui, je crois, je ne suis plus sûr. Donc il y a 3 tours pour le prendre. Maintenant, d'un autre côté, si je ne le prends pas, que je lui dis que je fais ceci, j'ai plus 10 de défense et plus 40% de puissance des sorts. Mais moi, je fais pas de sorts, donc celui-ci ne fait pas de sorts. Donc les 10% de défense, on s'en fout. Donc on convertit, ok, on reste convertir. On verra s'il attaque. Hein. À mon avis, il va peut-être bien venir attaquer. C'est tout à fait possible, attaquer ici. Mais bon, là, il va s'en prendre un peu dans le nez quand même. Et moi, je pars. Moi, je pars. J'aurais bien dû le bouffer quand même. Mais c'est tellement dangereux. Donc, bon, on va venir prendre la charrette. Voilà. Et on va prendre quoi d'autre? Ben, il n'y a plus rien que tu peux prendre. Tu vas avancer là-bas, et tu vas remettre ton chapeau. Voilà. Si je me fais attaquer par tous les autres, je m'en fous, mais alors totalement. D'ailleurs, je m'en fous tellement que, à moins que tu aies assez de. Bah, tu sauras jamais venir jusque moi. Ça, c'est du terrain de merde, là, que tu vois déjà. T'as pas de route, là. Puis tu vas sans doute prendre ça. Bon. En fait, toi tu restes là, toi, tu viens me prendre. T'es trop court pour aller là? Non, t'es pas trop court pour aller là-bas. Bon, ces trucs-là, maintenant, on s'en fout un petit peu aussi. Je vais plus en avoir tellement besoin. Ça, bon. Ouais, il y a l'arbre là, mais bon, elle s'en fout. Hein. C'est pas. Comme je dis, c'est plutôt moi qui me fous de ça. Donc, je viens ici. Parfait, et je peux maintenant prendre celui-ci. Voilà. Et je lui dis que je le convertis. Comme ça, je vais pouvoir avoir, s'il y a besoin, je vais pouvoir. Tu vois, maintenant, j'ai tous ces trucs qui vont être pour moi. Et je pense que nous avons à peu près fini. Est-ce que nous avons une recherche possible? Alors, on pourrait peut-être donner 10 de défense là, mais je pense que donner. Là, j'ai pas assez de sous. Et là, j'ai 10 d'attaque. Je vais prendre les 10 d'attaque, hein. C'est mieux quand même. Non, on peut peut-être prendre les 2 d'ailleurs. Et est-ce que j'ai encore assez de sous? Non, j'ai plus assez de sous. Et on peut prendre ça. 10 de défense au corps nu. Allez, on roule. Ok. Alors, tu fais quoi? Tu viens m'attaquer, hein? Ouais. Ok, bonjour, Marjata. Comme ça, je suis sûr. Je ne pense pas, hein, je pense pas que je vais perdre la partie, hein, le bonhomme, hein. Mais je vais perdre beaucoup de monde, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et on est en défense. Par contre, on va voir ce qu'il a, tu vois. Il a Arcane et Destruction. Il n'est pas gros là. Hein. 27 d'attaque. Par contre, à mon avis, on verra. Il a une puissance d'essor de 90%. Ok. Donc, comment on va se positionner? Comment va-t-on se positionner? Qu'est-ce qu'il a? Il a des spectres. C'est la basse classe. 10 de vie, je pense. Donc ça va. Des nécromanciens, il y en a sans doute 2 groupes, parce que je crois qu'il ne peut en avoir que 10. Ça, il n'a qu'un groupe. Les rats, il y en a. Ça va. Les érudits, 6 à 10. Alors, ce qu'il faut que je fasse, bien entendu, moi, puisque je ne me bats pas, je ne peux pas rester en défense. Hein. Il faut que j'attaque, parce que il a quand même quelques trucs à distance, et moi, je n'en ai pas. Il a quelques trucs à distance. Le fléau, les cultistes et des rats pestiférés. Ouh, là, il a une centaine de rats pestiférés. Ok. Donc, à mon avis, il est plus haut que nous. On va garder uniquement ce personnage-là. Toi, tu vas attaquer un petit peu plus tard.
Tu vas te mettre tout seul, comme ça, s'il y a un sort qui vient. On va les écarter un petit peu, puisqu'on a vu que une indestruction, hein, je pense. Ouais, une indestruction à 90%. Et donc, ça tire une case sur 3. Une case aux alentours, mais sans doute deux cases aux alentours, parce qu'il doit avoir niveau 3. Donc, comment résoudre ce problème-là? Un qui vient ici, un qui vient ici. Toi, tu as une portée de. Mais tu risques de te le faire buter, hein. Ça c'est un peu plus sûr aussi. Mais tant pis, tu resteras là. Parce que tu as une portée de 6, portée mortelle de 4, et comme tu es 2 de hauteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu peux aller n'importe où, ils sont. Enfin, tous ceux-là sont dans la zone de décès. Toi, tu vas reculer ici. Ok. Et toi, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Tu peux venir ici. Tu as 2-15. Tu as 2-15, c'est ok. Je pense qu'on va le lancer comme ceci. Allez, on roule. Qu'est-ce que tu as, mon ami? Ou alors j'ai été trop vite pour toi et t'as pas eu le temps de prendre tout ce qu'il fallait. Mais je crois qu'il est bien rempli quand même. Hein. Alors, il joue premier. Oups, enfoiré, t'as vu ça? Il a de l'initiative. Hein. On va regarder un petit peu l'initiative qu'il avait, le mec. Alors, arrête un peu, hein. 50 là, donc il doit avoir, tu vois, tous les points, je me prends. Voilà. Donc il avait combien d'initiatives? Les rats qui ont commencé en premier, ils avaient une initiative de 66. Donc tu vois. Et il n'a pas lancé. Est-ce qu'il a lancé des sorts? J'ai pas fait attention, mais. Ok, donc là on a perdu un bon paquet. Maintenant, je peux venir là, 68, 98, c'est beaucoup. Je peux patienter. Est-ce que toi, tu es là? Ok, toi, tu vas pouvoir faire un tour. Qu'est-ce que moi, j'ai comme bidule ici? Il n'y a rien du tout. Ah, rien du tout. Ces deux-là vont m'emmerder un petit peu. Ça, c'est des enragés. Après lui, j'ai celui-ci, Léo. Confère une escouade qui attaque 13 de dégâts. Mais je ne peux pas aller le chercher de toute façon. Donc tu patientes. I am dead. Donc je peux aller jusqu'où? Je peux venir jusqu'ici. Je peux venir faire pas mal de dégâts là, mais ce sont des rats, des méchants rats. Ce sont des méchants wah-wah. 72 à 87. Ça en fait la moitié qui me restera. Mais il faut bien que j'y aille, hein. Donc toi tu attaques de. Bah, il faut bien que j'y aille, hein, un moment ou l'autre, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Boum. On a buté 4 et là je peux te finir. Mais si je te finis, est-ce que je peux pas. Tu vois, de nouveau là, je ne sais pas. Est-ce que je peux venir. Tu vois, je ne peux pas venir là. Donc je vois d'office que. Ah mais je suis pas sûr. Parce que je sais pas si mon cheval va pouvoir y aller. Tu vois, mon cheval ne peut pas y aller. Donc c'est qu'il y a une bordure ici. Enfin, il y a un truc à 10 points, quoi. Il va y avoir un truc à 10 points. Et donc je bloque mon cheval. Je préférerais attaquer avec mon cheval ici. Parce que j'ai plus envie de garder ça, bien sûr, que mon cheval, hein, ça c'est sûr.
Et t'as toujours 10 de destruction. Hein. Le problème, c'est qu'après, le rat, il va me buter, lui. Ouais, donc j'ai pas le choix. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quelque chose qui était. Tu vois, j'ai pas vu ce truc. Il y en a combien? Il y en a 5. Ça, c'est con, hein? Donc, lui, il pourra aller chercher le rat, alors. Tiens, c'est marrant. Il était invisible, quoi. C'est ça que je dis, un peu chiant. Et toi, tu viens de faire les 62, là. Donc, nous avons un petit peu plus de trucs. Donc, 2, et puis tu peux venir à là et me buter ça. Malheureusement, ils vont se prendre la destruction dans le nez, hein, ça c'est sûr. Mais bon, il faut quand même diminuer un petit peu le paquet de ces trucs-là. Ensuite, si je viens, est-ce que je peux venir ici? Non, toi, tu restes là, mec, parce que. Ça va être dur, hein, quand même. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Bon, là, je suis sûr de bouffer, mais je me prends. Non, je suis sûr que je me prends. Il y a 10 de destruction. Tati, 10 de destruction, c'est. Ils vont en profiter. Hein. 10 de. Ah, c'est 14 que tu as besoin. Ouais, mais. 14 que tu as besoin. C'est 14 que tu as besoin. 14. Et tu vas t'en prendre 1, 2, ou 1 si je le bouffe, le 26 là. Mais après je me fais bouffer, non, après je me fais bouffer mon ticket par les 91 là. Tu rigoles ou quoi? Ah non, tu peux. Si tu peux, parce que je vais ouvrir là. Ben, comment ça se fait que maintenant je peux arriver ici? Ah oui, je pensais qu'il y avait une barrière, mais c'était un bonhomme. Et donc, si je viens là pour buter. Il me restera une attaque. Et donc. L'idéal, ce serait de venir là. Mais je. Oh, je peux en buter 91 ici. Ça vaut peut-être la peine alors. Ça vaut peut-être la peine. Le problème. C'est que pour aller là, je dois faire G3. Donc si je dis que je viens ici et que je mets la demande ici dessus, le seul endroit où il va me dire que je vais pouvoir aller, ça sera là-dessus. J'espère qu'il ne va pas m'envoyer là. Donc on va le tester. Voilà. On fait. Ce petit bidule là sur lui et je lui dis de me mettre là sauf qu'il risque d'aller là et j'aurais gaspillé mes points pour rien, les seuls petits points que j'ai. Ou alors est-ce que j'ai la possibilité de faire. Un échange. Non, j'ai pas de possibilité de faire un échange. Écoute, on va le tester, on va le tenter. Toi, tu veux venir ici. Et tu as une chance sur deux d'arriver au bon endroit. Parfait. Alors, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Bah, on va dire déjà, Serala, il m'emmerde un petit peu. Et Serala, il m'emmerde aussi, parce que c'est quand même 91 fois. Par contre, je vais recevoir des dégâts de celui-ci, ce qui va me faire très mal. 10 fois 13 à 15. Ah. 10 fois 13, ça fait 130, 150. Par contre, toi, tu m'en ferais 90. Ah. Tu en ferais moins. Tu en ferais sans doute moins. En ferais sans doute moins. En plus, toi, tu as une défense de 96, attaque de mêlée de 98, et toi, tu as attaque de mêlée 81. Quand même, hein.
Mais donc le maximum que toi tu peux me faire c'est 180. Tu peux me faire 180, j'ai une défense de 57. Ouf, tu peux me faire plus. Et toi maximum c'est 150. Entre 130 et 150, plus bien entendu, 98, 81. On va couper en deux. Donc entre 180 et 90, j'ai 90 points de différence. Donc 45, je vais me prendre 146 points. Mettons qu'il me fasse 146 points d'attaque. Avec 81 de mêlée. Et les rapestiférés, par contre, eux, ils me font quoi? Il me donne du venin. Il me donne du venin. Mais il ne fera que 26 fois 5, 130 points, plus le venin. Donc je pourrais peut-être bouffer d'abord ces deux-là. Après, ça sera celui-là, celui-là et celui-là, et puis celui-là, malheureusement. Ce qui veut dire que ça sera fait avant. Que je puisse bouger, je suis là. Si je pouvais avoir un point d'ici là, je ne crois pas, c'est tout à lui. Si je n'avais pas gaspillé, non, je n'ai pas gaspillé de points, je crois, non, ça va. Il m'aurait fallu un ordre en plus. Il avait eu 4, j'aurais pu mettre de l'initiative sur celui-ci. 46, je passerai à 51 et je serais passé au-dessus de lui. Et donc j'aurais pu taper de nouveau une deuxième, taper sur celui-ci et taper sur celui-là après. Ah. La vie tient à peu de choses, mes enfants. Donc 150 points, toi tu vas t'en prendre, bah tu vas en perdre 12 ou 13, même plus. Bon. Parce qu'après je commence, c'est lui qui joue tous ces trucs quoi, et il n'y a qu'un bidule qui est derrière, c'est ça. C'est une grosse merde ça, c'est un cultiste avancé ça, c'est... Bah. Je ne sais pas si j'ai vraiment fait une bonne chose d'avancer comme ça. Eh mon cheval, t'as tapé toi déjà? Oui hein? Ah ben oui t'as tapé dessus, c'est pour ça qu'il n'en a plus que 26. Écoutez, on va... buter ça et ça. Déjà pourquoi? Parce que ça diminue, celui-ci ça va diminuer plus l'essence, il a deux arcanes en moins. Tandis que lui c'est qu'un. Ouais. Il a combien? 10, 11. Lui non. 12, 13. Et en plus il peut redonner des points. Avec 14-15, de toute façon, je vais me faire bousiller. Je vais me faire bousiller. Alors, là, j'ai 504 et là, j'ai 635 quand même. 26 fois 5, 110, 140, 130. Toi, tu fais plus de dégâts que toi. Mais toi, tu fais du venin, je crois. Ouais. Tu fais du venin. Écoutez, on va éliminer ça. Malheureusement, là, maintenant, je vais avoir mal. Boum, vous l'avez dit. Boum. Alors, boum. Boum, boum. Tu me fais mal. Boum. Ok. Eh ben, dites donc. Vous voyez que, bon, celui-là, il est fort. C'est pour ça que je préfère me faire buter celui-ci que faire buter l'autre. Et donc, je vais revenir. Maintenant, n'importe qui peut venir le bouffer. Hein. Il n'a plus de bonus. Il va perdre. Bon, il n'a plus grand-chose. Il a beaucoup moins envie, en tout cas. Alors, enfin, quand je dis qu'il a beaucoup envie, en moins, c'est pas vrai. Hein.
17, j'en fais 8, 9. J'en fais 4, 5. Donc maintenant, c'est le dernier coup. Hein. J'ai pas de chance après, c'est fini. Hein. Il faut que je bute au maximum. 5. Et... oui, il n'aura pas le temps de récupérer de... Ah, peut-être que si. Peut-être que si. De récupérer des unités, je voulais dire. On va quand même essayer de 8 à 9. Ça, c'est un chiant. 4 à 5. 15 de vie. Ouais, je les aime pas trop non plus souvent. Enlève-moi ça. Enfin, une partie. Oh, j'ai oublié de faire le petit coup de... Voilà. Première défaite. Moi, ce que j'avais fait dans l'autre... Ce que vous pouvez faire d'autre, c'est... et enlever toutes vos unités. Et oui... C'est moi qui perds ça maintenant, mais je vais les récupérer tout de suite, de toute façon. Bon, je suis quand même pas trop mal débrouillé. Donc, tu vas où tu veux reprendre. Et tu t'es rechargé en unité, c'est bien, mais maintenant tu n'as plus l'avantage sur moi, mon petit. Tu n'as plus l'avantage sur moi. Où je suis? Je suis ici. Tu es où? Tu es où? Tu es là toujours. Hein, tu es ici normalement. Donc, puisque tu es là, on va venir te chercher. On va venir te chercher, mon petit. Et maintenant, tu vas souffrir. Tu vas souffrir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais me venger de toi. Alors, tu es bien mis. Un essor, je pense pas que j'aurai vraiment besoin. Je vais vous dire pourquoi, hein, parce qu'il n'aura pas le temps, je crois. On devrait le bouffer au premier tour, j'espère. Allez, en plus il n'est pas à l'intérieur. Et donc on va venir le prendre. Il n'a plus que 2, 4, 6 fois des unités et il n'a plus aucun bonus. Il n'a plus aucun bonus. Donc, nous allons, nous... oui. Donc, tout ça, on est sûr d'arriver premier, je pense. Il était à 55, je pense, mais il avait des trucs qui m'embêtaient. Donc, on va y aller. Combat comme ça. Voilà. Je joue premier. Il a son premier bonhomme à plus que 25 d'initiative, vous voyez. Il était à 55. Il s'était pris des hôtels d'Aurélien ou je ne sais plus quoi. Et donc maintenant, moi, je n'ai plus qu'à lui rentrer dedans. C'est... Je peux venir ici déjà, je bute 9. Et je bute 9. C'est déjà une bonne chose faite. Est-ce que je veux éliminer quelques trucs? Là, il en a 20. Il en a 20. Tu vois, maintenant, il n'a plus rien, là, déjà. Ça change la vie, quand même. Est-ce que j'attends de nouveau pour faire du 14? En commençant par lui. Il a... C'est beaucoup, ça. Beaucoup de points, là. Hein. C'est 40 points de vie. Ça lui fait du 800. C'est le seul qui est un petit peu gênant, je veux dire. Mais 800 moins 200, ça ferait un petit peu moins. Et il ne peut pas... Au fait, je me dis ici, normalement, il ne peut pas riposter, lui. Riposte impossible, tu vois. Mais si j'attaque tout de suite, je ferai 1, 2, 3 et 4. 3 ou 4, je veux dire, pour le lancement d'une boule de feu. Enfin, d'une boule de bidule, quoi. Donc, je peux venir ici, avec lui. Je peux venir ici. Et ainsi, tuer déjà un petit truc là. Suivi, mais avant de suivre ici, je vais peut-être non, j'ai pas la possibilité de sauter de 1.
Donc 1, 2 et 3. D'accord, donc tu butes ça. Bon, ça nous fait déjà 20% de dégâts supplémentaires. On va patienter maintenant jusqu'au moment où on a notre 14. Voilà, notre 14 devrait être là. Et nous, surtout pas à partir de là, hein. Démarrer ici. Clac. Ça t'en fait 15 maintenant, mon ami. Je peux t'en faire 8 à 11. Maintenant, tu es un 8 à 11 et tu peux pas te défendre. Tu ne peux pas te défendre, mon ami. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait ça. Boum. Et comme j'attaque deux fois, il est mort. Et puis c'est toi que je vais prendre. C'est toi que je vais prendre. Et puis il me restera l'autre 20 là pour prendre celui-là. Ok, donc toi tu viens jusqu'ici, c'est très bien. Tu utilises un petit saut. J'ai fait quoi? Je me suis gouré. J'ai fait le mauvais. J'ai fait ça. Je crois. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Vivification. C'était quoi ça, vivification? Furie. Comment je me suis gouré là? J'ai fait un truc là au-dessus, je sais pas. Vivification. J'en sais rien. J'ai l'impression que j'ai plus de ça. C'est quoi la vivification? Je sais pas. Je sais absolument pas. De toute façon, on s'en fout. Parce que maintenant, je peux venir jusque là. Je sais pas. Ben si, ça a dû pas de chaos normalement que j'avais fait, mais bon, tant pis. Et puis toi, t'es mort. Voilà. Et maintenant, la partie est finie. Parce qu'ils n'auront plus la possibilité de récupérer suffisamment d'unités. Sauf que je vais être obligé de rester là pour le moment. Malheureusement. Mais bon, au moins, j'ai récupéré toutes mes affaires. Plus des nouvelles. 50% de puissance d'effort qu'il avait, hein, c'est ça qu'il avait. Il avait 40% plus 50. On récupère nos gants, on récupère tous nos petits trucs qu'on avait paumés. Et on monte peut-être d'un niveau. Non, on ne monte pas du niveau du tout. Bon. Alors, on peut reprendre quelque part un champion. Récupérer notre champion, il va nous coûter 5000 balles ou 5500, je sais pas, peut-être plus. Est-ce que je peux le récupérer à partir d'ici? Oui, si je veux. 5000, 5. Ou alors, où est-ce que je peux le récupérer d'autres? Si je le récupère ici, il n'a plus ses bottes. Est-ce qu'il pourrait venir jusque là? Je n'en sais rien. Ou alors je patiente un tour et je le récupère d'ici. Et mademoiselle, vous n'aurez pas assez pour monter jusque là. Donc ici je suis obligé. Bon, donc je suis obligé de rentrer là-dedans. Eh bien tu vas le faire. Hein. On va attaquer ça, il n'y a personne. Combat. Pourquoi tu me mets un combat alors qu'il n'y a pas d'unité, mec? Mais bon, on a Early Access, hein. Et tout ce que je suis occupé de vous montrer maintenant, c'était. Qu'est-ce que c'est que ce. J'ai pas vu qu'il y avait ça. Il m'avait rien montré. Bon, tant pis. Bon, toi, tu fais quoi, toi? C'est des hautes légions, 125 points de défense, et tu bouges de 4.
Et donc, il va te falloir pas mal de temps pour venir jusque-là. Ça ne devrait pas nous poser de problème. Est-ce que tu as le droit de taper sur un voisin? Juste pour le plaisir, quoi. Comme par exemple, non, je peux pas le faire, il faut ça. Il faut ça. Donc, on va. 125 points. 570, 675. Hein? 500 et 5, 125. 625. 625, là, un petit peu moins. Et ça, c'est du 9, à peu près 400. Écoute, on va patienter, hein, on va pas s'emmerder. One, on a dit que c'était Q. Voilà, Q. 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 Toi, tu peux tirer dessus. Ouais. Puis au-dessus. Viens plutôt ici. Donc, si j'avance de 2, avance de 2, tu es dans ma zone mortelle sans aucun problème. Voilà. Toi, tu avances ici dessus et tu es dans ma zone mortelle. Voilà. La gloire passée. Mais là, il y a un truc là. Ok? Donc, ils sont tout à fait en ligne pour se reprendre deux fois des dégâts. On a déjà un paquet, hein? On peut le faire une deuxième fois normalement. Ah non, j'ai plus que 10. Donc, bah, toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Est-ce que tu peux déjà faire tuer à 3? Oui. Et est-ce que tu peux tuer celui-là à 18? Oui. Et tu aurais pu tuer le 4. Je suppose qu'après, tu pourras tuer le 4. De toute façon, autrement, on s'en fout. 18, je le prends. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien perdu, hein? Non, j'ai toujours rien. Je bute les trois. Voilà. Est-ce que toi, tu vas venir. Tu es à quelle distance? Je crois que je suis au palier 2 en créativité maintenant, hein? Donc, je suis à 4 cases, tu vois. Et là, j'en ai deux qui ne peuvent pas être attaqués. Donc, si tu es à 4 cases, on va utiliser ce truc-là. Tu viens. 1, 2, 3. Tu viens ici, par exemple. Et tu. Plutôt. Si je viens. Ouais, de toute façon, on s'en fout, c'est pas. Je voulais voir comment faire, mais on fait ceci, toi et toi, voilà, et puis tu viens m'attaquer. 3 à 4, ah, on va faire autrement alors, on va. 3 à 4, c'est pas assez. C'est pas assez. 3 à 4. Qu'est-ce qui te reste? 13 points, si je t'enlève 13 points là, qu'est-ce que je peux faire pour t'enlever des points? Bon, je peux aussi te reculer, je peux aussi revenir en arrière, tout simplement. Tu peux aller jusqu'où? Tu peux aller jusque-là. Tu vas reculer, tout bêtement, un petit tour. Toi, tu vas. Ça, voilà. Ah, je peux en faire plusieurs, c'est juste. On va faire une autre là, tiens, voilà. Pour le plaisir. Et puis tu passes ton tour. Pas de temps qui est ce qu'il faut, voilà. Un petit coup pour les copains, voilà. Encore, t'as pu. Passe. J'assure, hein, mes coups, moi, parce que. Ah oui, toi, tu peux faire ça, tiens. Voilà, et toi avec, pour le plaisir. Et toi, tu peux encore venir l'embêter aussi, j'ai oublié ça. Il te faut qu'on fasse le maximum, hein. Pourquoi tu.
Boum. Et reboum. Ah oui, donc toi, oui, j'avais oublié. Ça, il peut lui attaquer en cercle. Mais bon. Ok. Et qui est-ce qui est là? Toi, tu oublies. Oublie. Et toi, tu viens le finir. Ok. On n'est même pas obligé d'aller. Comment vais-je dire? On n'est même pas obligé d'aller chercher la deuxième forteresse. On pourrait aller tout de suite sur Wilch. On va prendre la deuxième forteresse. Hein. points. Yes. Non, pas assez. Alors, tu vas convertir. Ok. Il nous reste la petite ici. On va la laisser. Est-ce qu'on la laisse faire ou... Ouais, on la laisse finir son tour. Puis elle avancera. Elle prendra ça, elle avancera. Avec son copain. Voilà. Il peut plus me faire quoi que ce soit parce qu'il est trop loin de toute façon à mon avis pour venir attaquer ici, mais on va quand même surveiller notre demoiselle pour voir ce qu'elle a récupéré comme comme matos. Donc non, c'est pas Cécilia que je veux. Est-ce que si je fais tab, non, on devrait pouvoir faire tab sur cet écran là je trouve. Et donc là on tape sur le côté et on regarde elle puisqu'elle a récupéré des nouvelles choses et je crois que j'ai fait tout hein. Ouais, ouais, tout est bon. Ok, je l'ai dit, je ne fais plus rien. Terminé, on passe le tour. Donc là, je suis bon. Là, je peux faire 2 de dégâts. Pour 5000 balles. Oui, est-ce que je dois récupérer des unités? À peu près pas 2 unités, c'est pas... Donc fais-toi 2 de dégâts, c'est bien. Et on passe le tour. Merci, mademoiselle. Vous voyez ici, si je veux attaquer, si je veux pas acheter quelque chose, boum, je peux demander à aller sur ma grande colonie, là. Et j'ai tout ça que je peux acheter. Mais, c'est pas ça qu'on va faire. Est-ce que tu peux prendre ça? Oui, tu peux prendre ça. Et voilà des endroits, même tu vois, il m'a fait gratuitement l'endroit pour faire ma taverne et pour, je peux en supprimer, bien sûr. Alors, ma belle, tu vas remonter tout ça. Tu vas aller te prendre... Puisque maintenant, j'ai plus aucun problème de danger, je veux dire. Je vais venir ici. Voilà, je viens ici. Ça, je récupère du déplacement, hein. C'est ça qui m'intéresse. Et je n'ai plus assez pour aller là-bas, malheureusement. Mais bon, c'est ça. Et nous allons récupérer un petit bonhomme ici. Donne-moi un petit bonhomme, s'il te plaît. Pour le plaisir, parce que j'ai pas... Oh, j'ai plus de sous. Oh, j'ai plus de sous. Il me faut 4000 balles. Il ne manquait pas grand-chose. Ben, on va... Il manque 4000 balles. Ben, tant pis, t'as passé en train à tour, mec. Hein. T'avais qu'à être plus fort. T'avais qu'à être plus fort, mec. Bon, allez. Tu viens là. Et on va voir si on peut rentrer dedans. Je sais pas comment ça marche. Non, tu veux pas. Je veux sortir là. Je vais te changer le mode de siège. Dis. Ah, j'espère que. On va dire ça. Ils sont pas détruits, hein, parce qu'on va sortir. Toi, t'es toujours dedans. Bon, sort.
crois que j'ai perdu un tour bêtement. J'aurais dû plutôt alors faire de la. De la convertir. Trois tours. Non, ça va, il est redescendu. Il est redescendu au truc normal. Ok, donc j'ai pu échanger, ça va. Sinon, il aurait mieux fallu alors dire occuper et je gagnais tout l'or, quoi. Donc, celui-là, ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est un truc d'effet. Donc, toi, ma chérie, tu repars à l'attaque. Taillot, taillot. Jusqu'où tu peux aller comme ça. Non, c'est toi que je veux voir. Voilà, merci. Tu as peut-être 17. Ah oui, j'ai pas fait attention, mais est-ce que. J'avais pas un petit échange à faire avec elle. Qu'est-ce qu'elle avait, elle? Non, tu restes là. Qu'est-ce que tu avais à l'intérieur? 3 de déplacement, 1 de rayon de vision. C'est tout ce qui était intéressant pour toi. 3 de déplacement, et moi j'ai. Enfin, je dis moi, c'est moi aussi, hein. C'est moi les deux. 3 de déplacement, c'est la même chose. Ok. Donc, toi, viens prendre ça. Petite. Voilà. Ça, c'est très très bien. Ça vous donne un truc en plus de tout. Donc, on va aller prendre ça. Voilà. On a une taverne accueillante. Bien. Et voilà. Voilà, voilà. Voilà. Bon, là, on n'a plus besoin puisqu'on n'a plus de. On en a plus. On les a tous tués. On les a tous tués. À 5010, 10 de une, plus un de dégâts et plus un de PV. C'est chouette, hein? Ouais, bah on n'est pas pressé, hein. Voilà, vas-y. Voilà. Petit coup de taverne. Merci, monsieur. Une petite tour des arcanes. On va chercher la tour des arcanes. Est-ce que j'ai pris ça? Ouais. Non, je ne l'ai pas pris, quel con. Oh, bonjour, mon ami. Bouh, comment allez-vous, monsieur Roderick? Ouais, j'ai pas besoin de mon truc, hein. Et toi, pourquoi tu es comme ça, tout doré, tout brillant? T'as de belles chaussures, là, ouais. Allez, j'ai pris ça, hein. Lieu capturé, ben on va prendre. On va oublier notre truc, là. On n'en aura pas besoin contre lui. Je suis bon partout, je suis bon partout. Oui, maintenant, Roderick, il n'a plus rien, il a des rats, il a. Je comprends pas, moi, comment les. Tu vois, sur Steam, les gens, tu butes le truc une fois, tu prends leur forteresse et c'est fini, quoi. Il n'y a pas. Est-ce que, franchement, vous pouvez estimer que c'est trop difficile? Sincèrement. Les pavés qu'ils mettent pour expliquer que c'est trop difficile dans le Steam, ben moi, je vous dis simplement, à la place. De faire des pavés sur Steam, t'as qu'à réfléchir un petit peu, quoi. Hein? Sincèrement. Sincèrement. Ils font des pavés, puis repavés, repavés. Ah ouais, c'est pas bien, les wilders, ils respawnent, et si, et ça, et puis ils ont toutes les unités, moi j'en ai plus d'unités. Bah oui, si t'as joué comme un pied, c'est normal que t'aies plus d'unités, mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Hein? Regardez, sincèrement, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Ben, l'autre, il va y aller. Hein, voilà, tiens. Toi, t'es. Comme ça, j'ai pas besoin de bouger mon bidule pour faire. Voilà. Et même le docteur Ragnagna, là, ça va être la même chose. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien, le pauvre vieux. Et on a à quel tour là? Je sais même pas, on n'est pas très loin. J'étais même pas obligé d'aller me promener un petit peu partout. Hein. On pouvait directement aller à la forteresse et puis c'est fini quoi. Hein. Prenez une forteresse, puis l'autre. Ah, tu me donnes de la destruction cette fois-ci, mon ami. J'ai encore oublié de regarder l'éclat d'essence avant. Mais moi c'est bien la destruction, pourquoi pas? Palier 1. Palier 1. Mouer. Mouer.
De toute façon, comme je disais, c'est pas tellement important. Ça, c'est bien un petit moulin à eau. Et là, je peux pas aller jusque-là. Forcerait, c'est là, je crois, si je me trompe pas. Bon, petit peu de sous. Petit peu de sous, allez, on roule, on passe après. C'est ça, Sanctuaire d'Aurélien, tu vois, ce truc. Une fois qu'il a pris ça, docteur Baraja ou je sais plus quoi, bah il te. Voilà, 10 d'initiative, un déplacement d'escouade, c'est très très costaud. Normalement, je devrais pouvoir y aller, mais non, il se repose. Ok, donc là t'as pu, hein. Arrête de papoter, toi tu es occupé là, maintenant on a des sous, est-ce qu'on reprend notre champion là? Bon, non, c'est pas la peine, on va pas. Allez oui, allez oui, allez. Ou alors j'attends, parce que tu vas arriver ici, il va te falloir un tour, deux tours pour venir là. Deux tours. Et toi t'as fini. Dans deux tours. Donc autant là, le spawner là alors. Hein? On spawnera là. On te spawnera là, mon petit. On te spawnera là, 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 là. J'ai même pas besoin de taverne. Hein? Ton regard. Alors, plus un PV, plus un dégât. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien, hein? C'est bien, hein? C'est même très bien. C'est tellement bien qu'on le prend. Et puis toi, plus 10% d'attaque. C'est bien aussi, hein. Mais je pourrais, si je fais ça, j'ai plus de sous pour reprendre mon copain. Encore que, si, hein. Ah, mais j'ai plus de tisse-lune. Faut que j'attende un peu. J'en ai trois partout. Bon, on va attendre un peu. Allez, on roule. Ah, j'en ai vu un là. Et un deuxième. Mais là, il n'ose pas m'attaquer. Hein. Tu penses, toi, qu'ils ne veulent pas m'attaquer? Regardez ce qu'ils ont, quoi. Allez, merde, quoi, les gars. Comment est-ce que vous pouvez dire que ce jeu est trop difficile? Comment vous osez me dire des conneries pareilles, quoi? Ah là 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 là. Bon. Où qu'il est, le petit. Ouais, c'est bon, combat. T'embête pas avec ça. Oui, en fait, c'est vrai, j'ai perdu un truc. Mais bon, c'est parce que j'avais pas envie de m'embêter, hein. Viens ici. Et puis tu viens, tu passes, et puis tu attends le suivant, et toi tu viens ici. Bon, à partir de maintenant, on va prendre quand même pour le plaisir, hein, on va prendre notre forteresse. Mais bon. On va aller quand même. On prend notre forteresse. Dès que. T'as voulu prendre mon truc, hein. Petit vicieux, va. Bah tu viens là, on va aller chercher ça. Voilà, on a un petit arbre de pendu là. Voilà. Et puis on va aller chercher l'excavation. Voilà, un peu pas comme ça alors. Là. Puis comme ça tu pourras pas respawner ici, tu iras respawner dans un petit village à la con. Et, ou à la grande forteresse, je sais plus, je crois que c'est dans un petit village à la con, voilà, Val d'Ombre, mon Dieu. Mais trois, tu te rends compte? Ouais, tout est parfait. C'est parfait. Voilà. Doom, Doom. Rochebrèche va se tenir à nos côtés. Alors, je pense que si vous passiez sur le côté, là-bas, et vous attaquiez d'abord celui-ci, il y a ici tout un troupeau avec des chevaliers, avec des tas de bidules. Et puis, ils sont là, quoi. Et puis, ici, on dit qu'on peut combattre, mais je pense qu'ils viendraient avec vous, quoi. C'est possible, hein, je sais pas, on verra bien. Donc, on rentre dedans, hein. On rentre dedans. Et on patiente un peu. On va quand même le convertir, ce que j'ai besoin de convertir, ce truc, quoi.
Est-ce que j'ai besoin de convertir? Trois tours. Allez, on va convertir. Convertissons. Convertissons. Parfait. On ne peut plus rien faire. On passe au tour. Voilà, c'est ce que je disais, il y avait cette petite bande-là. Ça a bougé, donc on a dû avoir un petit bidule qui est venu, je suppose. Pof, tac, on a fini. Donc on peut maintenant avancer de nouveau et on va aller chercher quoi? On va aller chercher ça en passant d'abord par ici. Prends-moi ça, on ne sait jamais. Ça sera toujours ça de prix pour toi. Voilà, et puis tu as pu assez pour venir ici, tirer après. Voilà, il y a encore plein de trucs à prendre. Bien, bien, bien super, bien chouette, bien, bien chouette. Et donc ici, nous allons prendre notre thaumaturge. Et notre thaumaturge, il me coûte le même prix. Ah non, au bout de trois tours, il est gratuit. C'est juste. Au bout de trois tours, et je récupère même un cornu, tiens. Oui, trois tours, gratuit après. T'as pas besoin de racheter. Voilà, résurrection. Bah, tu vas rester là, mec, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, t'es arrivé un peu tard. T'es un peu tard dans la partie. On peut acheter tout ça, maintenant. Tu vois, il me permet même d'avoir. Qu'est-ce que tu me dis là? Non, il n'y en a pas encore. Parce qu'il vient d'être transformé. Tu vois, maintenant, mon truc, j'ai pas eu besoin de l'acheter. Ça vaut 30 tissus. 30 tissus lune, comme ça. Rien que pour le construire. Et quand je dis 30 tissus lune, c'est même plus que ça, hein, tant. 30 tissus lune, plus tout le reste, hein, plus tout le reste. Voilà, si on regarde ici, on prend dans le grand, et on dit ça. C'est 7000 balles, 10 ici, et puis après, je ne sais pas combien, et 20. Voilà. Est-ce que ça en vaut la peine? Et chaque fois, ça te coûte des tissus. Non, ça ne vaut pas la peine. Et tu vois qu'on n'a pas besoin d'eux. Hein. On n'a absolument pas besoin d'eux. Bon, mademoiselle, on continue avec vous. On a fait le tour. C'est bon. Toi, mon pote, tu es là. Tu restes là. Tu vas aller à l'intérieur. Par contre, on va commencer à démolir des trucs. Donc ici, on a un bosquet de fées qui n'est que de niveau 1. Et là, on a un bosquet de fées qui est de niveau 1 aussi. On a quoi? On a des carrières, on a une taverne. Est-ce qu'elle est taverne? Elle est au maximum, ça c'est sympa. On va, je vais te montrer après ce qu'on va faire avec. On remplacera normalement les personnes d'ici, à moins qu'elle ait aussi un double bidule, là, je ne sais pas, on verra. Ici, il y a quand même pas mal de trucs, des chevaliers, des sapeurs, des fantassins, des forestiers. Et donc, comme je disais, je ne sais plus où j'en suis. Donc, la taverne permet d'avoir des ménestrels. Les ménestrels, c'est ça, c'est 2 et 1. La différence, c'est qu'ils donnent en plus 10 de défense à l'armée alliée. Si, et lui, il n'a que 1 et 1, tu vois. Et donc, celui-ci est plus intéressant que celui-là, je trouve. Et bon, la différence de prix, c'est 450 peut-être ce truc, et là c'est comme je t'ai dit, c'est doit être 1000 balles plus enfin soit on se comprend, plus les tissus. Ok, soit toi tu restes comme t'es là, tu n'as rien à cirer. On va démolir, et on a une chaumière paysanne, tu vois, si je voulais grossir mes bidules, mais j'ai pas envie. Donc des bousquets d'effets comme ça, j'en ai pas besoin. Je n'en aurais besoin que s'il me manquait de nouveau, qui me manquait dans mon équipe principale. Je n'en ai pas besoin. Je vais donc les supprimer. Le problème, j'aurais voulu ici avoir plutôt un. Donc ça, je te vire. Je te vire. Je te tue, regarde-moi un petit peu ce que je récupère. Voilà. Ça doit être 75% de ça, je crois qu'on récupère. Boum. Ouais, merci, monsieur. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et ici, je peux monter. Maintenant, j'ai hésité parce que. Est-ce que j'aurais pas une académie ici? Ça, c'était quoi? Je sais pas.
Non, c'est un grand emplacement tout court. Donc, il n'y a pas de grand bidule. Et donc, on va se lancer, bien que j'en ai pas vraiment le besoin, comme je dis. On peut se lancer une académie. Voilà, 1005. Parfait. Il faudra 2 tours. Et donc, on n'aura pas vraiment 3 tours. Non. Hop, c'est long, ça. Ce qui est bien, c'est quand il a déjà lancé. Donc, toi, tu vas plus loin. Toi, tu as plus de jambes, malgré qu'elle a des bottes. Ah, t'es comme ça, toi. Alors, on renverrait la petite en bas. Non, lui, il n'a pas de... Il n'a plus rien, quoi. Alors, autre chose qu'on va prendre ici, c'est la taverne. Comme je dis, on peut la garder, mais on va éliminer... il faut que j'élimine quelque chose. Comme ça, par exemple, je vais t'éliminer. Bon, voilà. Et je construis à la place un point de ralliement. Alors, pourquoi je peux pas? Mais je peux pas construire de point de ralliement parce que je suis occupé de construire ça. Oh, et toi, ma biche, il te faut 2 tours. Ouais, ça revient au même. Ça revient au même. Tant pis, on fait comme ça et puis c'est bon. Et toi, tu rentres à la maison. Ou tu vas te promener quelque part, hein, pourquoi pas. Un petit peu de sous. Allez, va me chercher des sous. Il n'y a plus aucun risque, il n'y a plus personne. Pour le moment, en tout cas. Prends-moi ça. Des sous. Voilà, 500 d'or. Prends-moi une petite comme ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Oh, il y a un petit bouquin là. Petit bouquin, c'est bien, c'est un déplacement. C'est mieux que ça, ça, j'ai pas besoin. Hein. Non, j'ai pas besoin de ça. Et puis ça, ça donne un petit peu, mais bon, on s'en fout. Prends-toi du déplacement. C'est une bonne idée, ça. Voilà. Ok. Fini. Ah, voilà. Un challenger. Un challenger. T'oses pas, hein, tu vas tuer ça, donc t'as bouffé tous tes bonus. T'as bouffé tous tes bonus, si tu en avais, bien sûr. Allez, je vous laisse dire si vous voulez. Moi, je trouve que c'est se foutre un peu de la gueule des viewers que de s'occuper de commencer à parler de toutes les petites histoires là-haut. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire, toi, mon ami? T'as rien à foutre, toi. Viens ici, c'est pour plaisir. C'est bon, comme ça. Et puis, tu peux plus bouger. Toi, ma chérie, tu viens. Alors, où est-ce qu'il est, l'autre? Il est là-bas? Quelque part. Il est là-bas, le docteur Marc Jatta. Et il a plus rien, tu vois? De nouveau. Donc on va faire la même chose que la dernière fois, on va changer le mode, on dit qu'on fait occuper, confirmer, on revient, où est-ce que tu es? Viens ici, tu sors, sinon tu peux pas sortir, tu viens buter ma petite copine là, ah oui, très facile, tu parles, hein. Voilà. Tu ne penses pas que tu es autre chose d'intéressant. On va quand même être sûr. Voilà, combat. Voilà, 72, c'est dans tes cordes, mon petit. C'est dans tes cordes, pas trop quand même. Hein. Combien on a? 10. Patienter 2 tours. Qui est-ce qui joue en deuxième et en troisième? C'est toi. En troisième, tu pourras y aller aussi. Donc, 2 tours. 1 tour, ça me fait 13. 2 tours. Et le petit dernier là, toi, tu peux aller jusqu'où? Tu pourras avancer de 1. Ouais, on va patienter. On va patienter. Q. Q, Q, on a 19 et on fait
ça, et puis maintenant j'avance de 1. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai fait quoi? De nouveau? Vivification. C'est quand même quelque chose de bizarre, ça. Vivification, c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce qui était là? C'est la deuxième fois que je me fais avoir. Hein. Donc, tu n'as qu'un point. Vivification. Ça doit être là quelque part. Hein. On a vu que c'est tout le monde, hein. On peut un peu ça. Déploie les squads alliés, c'est des deux, trois cases. Et donc, et maintenant, j'ai. Donc, vivification, c'est avancer d'une case. Tout le monde gagne une case. Et tout le monde gagne une case, c'est ça. Alors, voilà, vivification. Pourquoi est-ce que. Ah oui, parce que ça ressemble. Ça ressemble à ça. T'as des bottes. C'est des bottes, c'est la même couleur de fond normalement. Et tu vois, sauf qu'il y en a deux de bottes. On voit la petite deux de bottes et là j'en ai qu'une. C'est pour ça que je me gourre depuis deuxième fois. Ok, j'ai pigé. Donc, bah tu viens là. Tu viens là et tu finis ta partie. Hein. Voilà. Bon. On va. Retourner dans notre petit salon, dans notre petite forteresse. C'est là, hein? C'est là. Oh, t'avais récupéré quelque chose, une lance du marais à la con. Et tu me fais pas gagner. Si j'ai gagné, non, j'ai pas gagné de niveau, bien sûr. Allez, reviens là-dedans, mon petit. Tu changes le mode et tu dis convertir pour le plaisir. Parfait. Et mademoiselle, vous pouvez bouger, vous ne pouvez plus. Si, hein, on peut bouger, c'est. Oui, je peux bouger. Je peux bouger, donc je vais venir à la place de ma copine là-bas. Et je n'ai plus de. Si, je peux aller me chercher ça, oui. Parfait, et je viens à l'intérieur maintenant. Ça, c'est bien. Donc toi, tu te tires de là de nouveau. Voilà, tu sors, voilà, et puis tu viens, bah tu viens, tu viens, tu viens, tu viens, tu viens ici, tu attends maintenant que mademoiselle ici, elle vienne par ici aussi. Ah, j'aurais pu prendre ça, mais bon, c'est pas grave. Je dis, il n'y a pas besoin, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit. Tu peux aller jusque là. Hein? Est-ce que tu veux échanger quelque chose avec notre ami? Pas ça. Hein, oui, oui. Les gonasses, c'est des mêmes. T'as ceci. T'as rien d'autre. Toi, tu vas venir. T'as pas le droit de passer par là. T'es obligé de venir par ici. D'accord. Bien alors, toi, ma chérie. Viens là. Allez, avance. Avance. T'as juste ce qu'il faut. Donc, c'est toi qui dois y aller. Échanger. Je sais pas si ça coûte quelque chose d'échanger, mais bon. Toi, tu te prends ça et tu chapeau pointu. Ça, c'est pour toi. Tu donneras ça à notre copain Gnawa, si jamais tu le revois un jour passé. Tu bouffes ça. On n'en a rien à tirer de ce truc. Des gants d'or, oui. Reste là.
des gants en or. Bon. T'es un domaine d'or. Voilà. Qu'est-ce que je peux en garder? Le chapeau. Un joli petit chapeau. Et puis, s'ils attaquent, tac, tac. 11 attaques, t'as pas besoin. Et 50% de puissance des sorts. Ça va me donner, au lieu de 200, 200. 50%. Ça me ferait 300 points de dégâts. Hein. Mais ça m'enlèverait 1 point de dégâts et 18%. Et les sorts, ben oui, je les utilise, mais je peux pas les utiliser autant que je veux. J'ai plus de petits bonshommes, donc c'est plus intéressant pour moi, ça. Donc on peut le garder, là, pour le plaisir, mais voilà, c'est bon comme ça, quoi. Ok, maintenant, je peux repartir. On va se prendre, en passant, on va prendre ça, puisque je n'ai pas le droit de prendre ça, il est déjà... Ah, si, je peux le prendre, cette fois-ci. Bon, pourquoi pas. Ça me fera 10 d'initiative. Hein. Et au moins, les autres ne pourront pas le reprendre. Ici, tu as le droit. Il est déjà exploré, donc je ne pourrai pas. Et puis, tu prends ça. Et puis, seul reste une... Oui, c'était déjà fait, c'était déjà bouffé. Tu viens ici. Poum. Est-ce que tu es bien équipé? Tu es bien équipé. Ensuite, toi ma chérie, tu vas rentrer à l'intérieur. Tu peux aller jusque là, donc tu peux quand même prendre le petit arbre pour le plaisir. Hein, c'est pour le plaisir. Sinon ça sert à rien, tu reviens à l'intérieur. Tu lui dis que tu changes de rôle et puis tu vas occuper. Voilà. Et maintenant, les deux forteresses sont occupées. Et je n'ai plus qu'à lancer des recherches si j'en avais envie. Je vais regarder quand même, parce qu'on a pas mal de sous maintenant. On peut lancer un petit truc comme ça, voilà, c'est bien. Et puis tu me donnerais quoi en plus là? De nouveau 10%. Vous savez, 15 lunes. Pas obligé non plus. Là, j'ai pas de bidule comme ça, j'ai plus rien. Allez, on tourne et puis on verra bien. Mais comme je vous dis, là, on est... Le jeu est fini, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Que passe? Tant pis, c'est pas grave. Est-ce que... Oui. Donc ça, excavation, on voit le nombre, c'est là. Et ici, c'est ma forteresse qui est occupée de construire ça. On va... Toi, t'es pas à l'intérieur, toi? Ah non, t'étais pas à l'intérieur. T'avais pris ça? T'avais déjà pris ça, ok. Rentre dedans, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ici, ce que je voulais faire, c'était donc un point de ralliement. Mais je pouvais pas, oui, bien sûr. Tu reviens là. T'as pas... Voilà. On s'en fout. Toi. On pourrait aller prendre ça, c'est quand même 1500. On va pas lui laisser. Hein? Capture. Ah non, c'est 500 seulement. Allez, tu viens par ici. Voilà. Est-ce que tu peux prendre ça? Tu peux prendre ça. Tu peux prendre ça. Tu prends ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un sanctuaire aurélien. On s'en fout. Et ça, c'est du tissu. C'est du tissu, dis donc. Allez, vas-y, pour le plaisir. Boum. Et puis après, t'as quoi? T'as un village. Petite colonie. Tu veux te prendre la petite colonie? Allez, viens te prendre pour ce qui reste. Voilà. Ah, il y a quelque chose à faire. Tiens, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah. Le problème, c'est que je ne sais plus quoi faire avec. Ah, mais si, je sais ce que je vais faire. Je vais renvoyer la personne qui a fini. Pour s'en occuper. 4 de vie. Je vais donc travailler pour toi. Ça, tu es à 4 cases. 1, 2, 3, 4. Tu viens ici. Tu fais plus ça.
Tu fais ça et ça, voilà, hop, et toi, t'as fini. Toi, tu vas buter celui-là. Voilà. Et puis, il y a des rats, et les rats, ils vont se prendre un petit coup de chaleur. Un petit coup de chaleur. Voilà. Ouais, mon jeu, vraiment, il n'avance pas beaucoup, hein. Allez. Deux rounds. Convertir, mais. Si bien que j'ai plus rien de. J'ai plus de distance. J'ai plus rien à faire. Tu restes un tour comme. T'aurais dû dire détruire plutôt, tiens. On va dire détruire, au moins on va lui détruire un truc. Détruire, voilà. Bon. Parfait. Et le coup prochain, tu joueras. Qui est-ce qui peut jouer? Toi? T'es où? T'es là? Eh ben, viens là-bas. Viens là-bas, mon ami. Viens ici. Là. Terminé. Ok, voilà. Tu vas où comme ça, toi? C'est où ça? C'est où ça? C'est là? T'es venu me faire chier là-bas, toi. Hein? T'es comme ça, libertine. Mais tu peux, ma belle, je n'ai plus besoin de tous ces trucs-là. Toi, la forteresse, elle est finie et nous avons notre académie. Alors, notre académie, elle peut faire quoi? Notre académie, elle peut me permettre d'augmenter le nombre de petits bonshommes. Le seul problème, c'est que je ne sais plus en prendre maintenant. Hein, j'en ai assez. Par contre, elle me permet d'augmenter mes sorts. Ici, ça, c'est pas la peine, c'est trop tard. Si vous le prenez en tout premier, tout au début, vous, au lieu de prendre l'armurerie, ben, vous prenez ça. C'est un très bon système aussi, hein, parce qu'au lieu de prendre ça, vous pourrez augmenter votre taille d'escouade. Le seul truc, c'est que il vous faudra du fric et il vous faudra du temps pour pouvoir avoir 40. Les deux côtés sont bons. Donc, si vous prenez d'abord l'académie, effectivement, vous donnerez un coup là-dedans ou deux coups maximum. Mais comme tu vois, pour le moment, j'ai pas eu besoin du marché. Bien que maintenant, il devient très intéressant quand même d'utiliser. Je peux faire donc, si je voulais faire, je casse mes deux trucs ici. Je casse mes deux trucs ici et je construis. Une taverne là, je construis pas de taverne là maintenant, mais je peux en faire une directement. Je sais plus où je suis là. Là, je peux en faire. Il faut que je monte le truc, mais c'est automatique. Même chose ici, je peux maintenant tout à fait détruire tout ce que j'ai ici. Sauf ça, vous pouvez pas le détruire. Sinon, vous perdez tous vos avantages. Voilà. Mais bon. Comme je vous dis, je n'ai même pas ce besoin-là. Mon petit. Toi, viens là. Tu sors. Bien, tu viens là. Tu vas te prendre ça. Voilà. Un déplacement. Tu veux ça? Même pas besoin, quoi. Où est-ce qu'elle est ma forteresse? Est-ce que je peux y aller? Enfin, j'ai pas vraiment le besoin non plus. On va le prendre quand même, hein, je sais pas ce qu'il donne. 3 de défense, oui. T'as un joli petit truc là, ouais, mais on va venir par ici. Voilà. On continue, on vient ici. Hop. Est-ce que je peux venir assez loin pour te prendre en une fois? Je ne pense pas. Il va me manquer une case, dommage. Allez, construis de nouveau là. Tu viens ici. Voilà, et voilà notre ami Willich. Malheureusement, je ne pourrai point. Je ne pourrai pas.
Je voulais mettre le feu. Ah, je peux pas mettre le feu là. Et là. Tant pis, c'est bon. On s'en fout. Il va peut-être venir, on ne sait jamais. Je crois pas. Je crois pas qu'il viendra. Donc, on va lancer des. T'as quoi? T'as 10. Pour un autre, c'est bien. T'en as encore? Ah, t'en as plus. Dommage. Dommage. Un de création, j'aime bien. Encore un. Encore un. Puis t'as pu. Et puis ici, t'as un de KO. T'as deux de KO. Et puis t'en as plus. Non plus. Plus non plus. Alors là, tu peux quand même te faire 5 tissus. Ouais, pourquoi pas. Tiens, pour le plaisir. Comme ça, je peux mettre une. Tiens. Bah, tu vas passer à 25. Voilà. Et les autres, et tous à 25. Voilà, c'est mieux. Puis t'as aussi. Et puis t'as aussi. Voilà, tu viens là et tu me fais voilà, le maximum. Hein. 23 sur 25. Et puis tu me fais un 2, 4. Puis maintenant j'ai un petit peu plus en ordre. Hein, j'ai 5 d'ordre. Dans la création, un petit peu plus aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Allez, une petite création en plus. Moi, j'aime bien la création. J'en veux un. Ben, je coupe en deux. Voilà. C'est parti. Mon kiki. Vas-y. Prends-moi, prends tous mes trucs. La partie est finie. La partie est... Où est-ce que je suis? Où es-tu? T'es là. Je ne la voyais plus. Je ne la voyais pas. Je peux quand même lancer encore un petit truc, peut-être. Là, non. Là, non. Là, non. Parfait. Viens là. Monsieur Vilch. Ah, je crois que j'avais encore des trucs que j'aurais pu prendre de l'autre côté. Non, je crois pas. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bah. Je souhaite vous vaincre. Parfait. T'as quoi? Tu vois, il n'a rien. Il n'a rien du tout. Il n'a que dalle. Il a juste un truc là qui peut peut-être aller. Non, je crois pas qu'il ira aussi vite que moi, de toute façon. Donc, ces trucs-là sont... Ouais, là, c'est bien. Et un ici, comme ça. Un 20, 23... C'est tout ça, c'est bien, et ces trucs-là, c'est bien aussi. On y va. Et on va regarder ce qu'on peut faire, comment on peut battre ces trucs-là, en un tour, si possible. Voilà. Alors, est-ce que je peux buter ça? 10, oui. Est-ce que je peux buter 5? Non. Est-ce que je peux buter 5? Non, mais je suis à 25. Je joue premier partout, sauf ça. Et ça. Tu n'as presque rien pour me faire mal. Et ça, c'est là-bas. Donc, on va essayer de... est-ce qu'il y a quelque chose? 1 et 1. Je buffe 3 à 4. Et je ne peux pas non plus. Dans ma première partie, j'avais fait dans l'autre sens, donc j'avais 40 petits bonshommes comme ça. Mais j'avais pas autant de... Aussi, donc j'étais plus lentement. J'ai été me promener un peu plus encore. Donc, on pourrait très bien limiter ça. Hein. J'en ai plus rien à foutre de perdre des petits bonshommes maintenant, vous allez me dire. Hein. Mais on peut peut-être faire quelque chose en attendant. On va déjà patienter un tout petit peu. Ou alors, on va faire quelque chose. Le 5, je dois pouvoir le buter. Ça, je dois pouvoir le buter. Et ça, je dois... Je vais aller me mettre ici. Avec le petit 20 qui est là. Je vais me mettre ici. Et on va changer de place. Donc c'est 3 et 3. Ok. Et je ne sais plus la distance. C'est 4 ou c'est 3? C'est 4 cases. Donc, 1, 2, 3, 4. Je viens ici. Boum! Bonjour, monsieur.
Monsieur le Pingouin, je voudrais échanger de place avec vous. Merci, Monsieur le Pingouin. Eh bien, tu vas perdre ton petit truc qui est là, et puis tu vas perdre ton petit truc qui est là. Parfait. Voilà, on a déjà bouffé l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comme on a bouffé deux, on a 20% en plus. Et donc, on monte un petit peu plus haut encore là. On peut venir bouffer celui-là, par exemple. Là, bon. Par contre, toi, est-ce t'as 25, toi? C'est bien 25, non? 4 à 5. 4 à 5, si tu démarres ici, tu te prends 10% en plus. Bah oui. Donc, je vais venir ici. Je vais d'abord bouffer celui-là. Et puis, est-ce qu'on est déjà à 5? Pas encore, pas encore. Pas sûr, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait déjà lancer un petit sort là pour sur celui-ci. 1, 2, je peux pas. Je pourrais le faire ici. Il viendrait là et puis il viendrait peut-être là ou là. Ce serait pas mal, hein. Mais après, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un coup de 25. Donc je pense quand même qu'on va essayer de se bouffer ça. Hein? On va essayer de se bouffer ça. Notez que je pourrais utiliser les écailles éthériques. Il y a 75% de résistant. Mais bon, écoutez, vous allez me laisser. Hein? On va peut-être le tuer d'un coup. On l'a tué d'un coup. On a 20% en plus. Ça y est, c'est fait. Maintenant, il faudrait que je puisse atterrir là. Ou là. Donc, comment est-ce que je vais me lancer ça? J'ai encore un truc comme ça. Donc, là je peux pas aller. Qu'est-ce qui reste? Après je n'en ai plus. Après je n'ai plus que des trucs. Il me faut 1, 2 et 3. Donc pour pouvoir y arriver, il faudrait que je vienne ici dedans. Hein? Bon, il lui restera un petit bête, un petit truc comme ça, mais. Comment vais-je pouvoir faire ça? Si je change de place avec lui, je peux bouffer ces deux-là. Si je viens ici et que je change de place avec lui, l'idéal, ça serait de venir là. Il me reste 18 de KO. Il reste 18 de KO. Toi, tu meurs pas avec 200 de KO. Hein? Non, non, tu as 500 points. Si je viens ici. Et que je lui demande de me mettre. Ouh, bonne question. Hein. Ou alors que je change de place avec celui-ci. Est-ce que je peux changer deux fois de place? 3 et 3. Et j'ai 5, je peux changer qu'une fois. Donc si je change, je dois changer intelligemment. Eh bien, ce qu'on va faire. J'ai ça, ça, ça après qui peut jouer. Mais ça fait pas des tonnes de points. Hein. J'aurais jamais assez pour me bouffer ça. Ah. Je suis malheureux. Comment je fais? Je fais comment? Je fais comment? 1, là, 1, 2, 3. Je lui dis que je viens ici. Ça ne marche pas. Je lui dis que je viens là. Je tomberai soit là, soit là. Mais je ne tomberai pas au bon endroit, de toute façon. Et si je lui dis que je viens ici, j'ai une chance sur 3 de tomber au bon endroit. Mais je peux soit tomber là, ce qui serait bien, ou tomber là, ce qui serait magnifique. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va lui demander de...
d'être positionné ici. Donc j'avance de 1, 2, 3, 1, 2, 3, je viens ici et je fais un petit saut et on verra si on a de la chance. Et je fais un petit saut d'ici à là. Et on a... Ouais, on a pas mal de chance quand même. On va faire 40 ici. Et puis 40 ici. Voilà. Puis il m'en reste deux. Il m'en reste deux. Tu peux aller jusqu'où, toi, mon ami? Tu peux aller partout. Partout où tu veux. Là, on va déjà avancer, voir un peu ce que ça donne. Et puis toi aussi. Bon, de toute façon, comme je disais, c'est pas très important. Un peu ici, montre-moi un peu si tu peux faire du dégât. Non, en fait, tu fais pas beaucoup de dégâts, quoi. Non, toi non plus, hein. Ouais. Tant pis, hein. Résistance aux attaques, d'accord. Et puis toi... Ouais, il faut que tu avances de 2,15. Tu viens ici. Alors, on va regarder les sorts qu'on peut travailler maintenant. Il y en a, on a tout à peu près, non? On n'a pas tout. Ouh. Mais bon, elles n'arriveront pas au bon endroit. Est-ce que 7 et 7? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Non. J'ai pas mon 8. Non, j'ai pas mon 8. Bon, on s'en fout, hein. De toute façon, on a gagné, comme je disais. Mais bon, c'était pour le plaisir. Si on testait ça un petit coup, et puis on a 6 là. Mais est-ce que si elles peuvent jouer deux fois, on verra, hein. Mais bon, sinon il vaudra mieux que je joue ça. Parce que lui, il peut m'en taper là, il peut m'en taper là, elle aussi. Bon, on s'en fout, hein, les gars, de toute façon, comme j'ai dit, hein. Non, on va quand même tester parce que je veux savoir si ça marche ou pas. Comment ça marche? Donc là, j'ai deux espoirs à dire en jouant leur tour. Boum. Je dis toi et toi. Alors, elles sont où? Pourquoi? Ah, elles sont venues là. Oh. C'est excellent ça. Donc, ouais. Donc, parfait. Donc on va de nouveau essayer de te faire descendre un petit quelque chose. Alors toi, ben, tu vas venir, et c'est là qu'il faudrait que tu ailles, mais tu peux pas. 5, ah ben tu peux buter 5, c'est bien. Et puis toi, tu buteras les 5 autres. Et voilà, on a fini les enfants. On a fini, on n'en aura pas perdu. Donc à la limite, je peux lui donner un déplacement si je souhaite. Voilà. Tiens, hop. Puis même... Ah non, ça n'a pas marché. Il ne restait plus de cases, j'ai pas de droit au déplacement suffisant. Pas grave. Et toi, tu viens finir celui-ci. Voilà. J'espère que j'ai pu vous convaincre qu'un peu de réflexion peut remplacer un... une longue plainte, parce qu'en plus, en faisant une longue plainte comme ça sur Steam, en disant que le jeu est trop difficile, vous montrez vous-même que vous êtes un piètre joueur. Et je suis d'accord, hein, désolé, hein, mais effectivement, si vous n'arrivez pas à gagner une partie après avoir essayé plusieurs fois, comme les gens l'ont dit, sur ce jeu, je suis désolé, mais c'est que vous jouez comme un pique. Jouez plutôt au valet de pique. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Voilà,
ça je n'y aura pas, objectif atteint, et parti est fini. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils sauvegardent, hein. Parce qu'il faudrait que la campagne soit plus longue, quoi. Continuez, voilà, on a fini. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir réussi, de tenu le coup aussi longtemps à écouter mes bavardages, généralement inutiles, parce que c'est vraiment pas. Ce jeu est quand même nettement moins compliqué que Shadow of Empire. Il manque du content. Hein. Voilà, on maintient, on passe, c'est fini, au revoir, et on dit quitter. Et je vous remercie à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée, et puis on verra ce que je ferai, si j'ai encore envie de refaire quelques vidéos, mais pour le moment j'ai pas fort envie de refaire du Shadow of Empire, je crois que c'est ça, hein. Je sais plus maintenant, parce qu'il y a des patchs pour le navire et tout ça, je peux pas finir ma partie dessus, parce que j'ai vu que le dernier patch qu'il y a eu, il faut recommencer la partie pour que les améliorations se prennent dedans, et je pense quand même sur ce jeu Shadow of Empire, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus, mais je pense quand même avoir expliqué, si vous avez vu toutes les vidéos, je crois que vous êtes au même niveau que moi, quoi, de compréhension du jeu. Ok, allez, bye bye, ciao, merci d'avoir suivi, bye bye, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Et puis c'est vrai qu'un petit commentaire, ça fait plaisir, un petit pouce en l'air aussi, bon, bien que j'en m'en fous un petit peu quand même. Salut! Allez, commande.